Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce débat des législatives 2017 où nous discutons chaque jour de l'actualité politique jusqu'au second tour de dimanche. Merci aux quatre invités qui ont accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Brice Couturier. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chroniqueur à France Culture où vous présentez le tour du monde des idées chaque jour à 11h53, c'est ça ? C'est ça. Et pour les gens qui ne sont pas disponibles à cette heure-là, les replays de France Culture sont très bien organisés. À vos côtés, Yves Tréhard. Bonsoir Yves. Bonsoir. On ne présente bonsoir plus Guillaume. Aux internautes du Figaro.fr. Vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir à Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous êtes historien spécialisé dans l'histoire des institutions et des idées politiques. Vous êtes maître de conférence à l'ISS. Et vous êtes l'auteur en 2016 d'un livre qui traite un sujet sur lequel on va revenir ce soir, « La guerre à droite aura bien lieu », publié chez Desclés de Brouwer. Et à vos côtés, nous saluons Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes en charge du Figaro Vox, qui est l'espace dédié au débat d'idées sur le Figaro.fr, auquel d'ailleurs deux de nos invités collaborent régulièrement et nous les en remercions. Vous êtes, vous, l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les nouveaux enfants du siècle » que vous avez publié l'année dernière aux éditions du Exact. Je vous propose de commencer tout de suite par le premier débat, le premier thème plutôt de ce débat que nous avons intitulé « Un gouvernement pas très moral » avec évidemment un point d'interrogation car nous sommes ici pour discuter, pas pour juger. Je vous propose de commencer par revenir sur ce qui commence à ressembler au feuilleton François Bayrou. Je rappelle juste l'épisode précédent, le Premier ministre Édouard Philippe recadrer son garde des Sceaux hier à la suite d'un coup de fil qu'avait donné François Bayrou à un journaliste qui enquêtait sur sur son parti, le Modem, à la suite de l'ouverture d'une enquête préliminaire sur des emplois présumés fictifs. Édouard Philippe a dit « un ministre ne se comporte pas comme ça ». Eh bien, François Bayrou lui a répondu ce matin, c'était sur RTL, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas laissé démonter. Regardez. Édouard Philippe a dit quelque chose que je considère comme absolument juste et j'ai dit quelque chose que je considère comme absolument juste. Il n'y a pas de contradiction. Et je ne vois pas de contradiction. Je vais vous expliquer pourquoi. Édouard Philippe dit « il faut être exemplaire ». Je partage ce sentiment. J'ajoute, et c'est aussi vrai, qu'en effet, il faut de la liberté de parole. En tout cas, pour moi, je ne sais pas vivre sans liberté de parole. Alors évidemment, cette polémique prend un peu d'ampleur parce que aujourd'hui, le garde des Sceaux a présenté en Conseil des ministres un projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Donc évidemment, les deux thèmes se sont un peu percutés. Brice Couturier, vous pensez qu'il y a une vraie affaire Bayrou ou que finalement tout ça est assez anecdotique? Écoutez, qu'on apprenne qu'un certain nombre de permanents des partis politiques sont financés en réalité via le Parlement européen en tant qu'assistant parlementaire, c'est pas vraiment une grande révélation. Personnellement, j'ai été moi-même assistant parlementaire du groupe socialiste du Sénat pendant 5 ans, et dans les années 80, et je ne vous cache pas que j'avais rendez-vous régulièrement au siège de Solferino, parce que j'étais également l'assistant du secrétaire national aux droits de l'homme, et puis tout simplement parce qu'il y avait une réunion tous les lundis matins du secrétariat international, étant en tant qu'assistant parlementaire chargé de la commission des affaires étrangères, il était assez normal que je vienne prendre la température à Solferino pour la transmettre auprès de mes sénateurs, membres de la commission. Donc, en soi, ce n'est pas choquant que des collaborateurs payés par le Parlement européen puissent travailler aussi pour le parti. Le problème, si vous voulez, c'est que pour débusquer le Front National, on lui a sorti cette sale affaire et du coup, il a réagi le Front National avec intelligence, mais en mouillant les autres. Or, tous les autres sont mouillés. Alors, évidemment, un tout petit parti comme le Modem a beaucoup de mal à rétribuer ses permanents et une façon de les rétribuer, bah, mon Dieu, c'est de détourner un certain nombre d'emplois d'assistants parlementaires pour les faire travailler au siège du parti. Mais je serais bien surpris que ça ne concerne que le Modem, voyez-vous. Oui. Vous avez des informations là-dessus? Non, mais quand j'en aurai, je vous en ferai part. Guillaume Bernard, donc il y a l'affaire elle-même dont on vient de parler, et puis il y a cette concordance des temps entre la présentation du projet de loi donc sur la moralisation de la vie politique ou l'exemplarité. Je crois qu'on a enlevé le mot moralisation, peut-être qu'il faisait peur. Je ne sais pas, ça vous inspire peut-être d'ailleurs un commentaire. Oui, ça m'inspire un commentaire, parce qu'évidemment, les hommes politiques risquent de se prendre, je dirais, les pieds dans le tapis, parce qu'à force, évidemment, de vouloir donner des leçons, quand eux-mêmes ne sont pas exemplaires, et évidemment, cela crée une distorsion dont les électeurs ne sont peut-être pas complètement dupes. Et puis, je crois qu'il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que dans une société, si l'on a besoin de lois là où, en fait, normalement, ce sont les mœurs
la courtoisie, l'honnêteté, la loyauté qui jouent, ben c'est qu'évidemment, la classe politique n'est pas très exemplaire. Donc le fait de dire on a besoin d'une loi pour moraliser le comportement des hommes politiques, c'est totalement contre-productif. Ça dévalorise encore plus, je dirais, la crédibilité des hommes politiques et ça ne peut conduire qu'à encore plus augmenter la défiance. En même temps, ce n'est pas à l'historien que vous êtes que j'apprendrai que des scandales et des financements occultes et des enrichissements chez les politiques, il y en a depuis que la politique existe. Mais bien donc sûr. C'est quand même nécessaire ce genre de règles, non ? Non, je crois que fondamentalement, ce qui est, je dirais, le problème, c'est que nos hommes politiques sont devenus des professionnels de la politique. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas payer les hommes politiques suffisamment honnêtement, honorablement, pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à leur fonction, pour qu'ils ne soient pas tentés par la corruption. Mais tout de même, le fait est qu'il y a un népotisme, il y a une forme d'endogamie, je dirais, dans le monde politique, qui, eh bien, évidemment, porte préjudice à la capacité de renouvellement, je dirais, de cette catégorie politique. Et puis, un dernier élément, il me semble que on a eu essentiellement, je dirais, des hommes politiques qui ont voulu, je dirais, traiter les questions en bon gestionnaire. Or, il me semble que la vie politique, c'est peut-être aussi, et c'est ce qui explique aussi sans doute, c'est pas directement le sujet, mais la victoire d'Emmanuel Macron, le fait que la vie politique, c'est aussi faire des choix, donner une orientation, donner quelque chose de positif ou donner un certain espoir. Et que par conséquent, effectivement, le fait de simplement dire « nous gardons les mêmes, mais nous allons laver entre nous notre linge », ça n'est, moi, il me semble que ça n'est pas très, efficace. Voilà. Alexandre Devecchio, on a entendu à la sortie du Conseil des ministres tout à l'heure, le porte parole du gouvernement, dire qu'il n'y a pas de sujet autour de François Bayrou. Et c'est vrai que, en tout cas politiquement, on a l'impression que ces affaires, si affaires il y a, elles ne sont pas gênantes. Elles ne touchaient pas Emmanuel Macron et son entourage. Il y en a une autre preuve, c'est Richard Ferrand, ministre, touché par un sujet d'opération immobilière un petit peu compliquée ou un petit peu trouble, comme on voudra, et qui a eu un excellent score au premier tour des législatives puisqu'il se représentait comme député dimanche. Comme si rien ne touchait Emmanuel Macron parce qu'il marche sur l'eau et son gouvernement avec lui. Moi, à vrai dire, j'ai jamais cru que les Français voulaient avoir des hommes politiques spécialement moraux aussi. Ils ont une moralité, c'est mieux, mais ce qu'on leur demande avant tout, c'est d'être efficaces. Or, ils ne le sont pas depuis des années. Après, ce qui peut choquer dans ces affaires, c'est quand même le deux poids deux mesures et le côté les arroseurs arrosés. Le deux poids deux mesures, c'est puisque on a eu un matraquage médiatique extraordinaire au moment de l'affaire Fillon. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Les faits sont pas tout à fait les mêmes. Ah mais non, pas du tout les mêmes. Même sur les parlementaires du FN, on peut pas dire que qu'il y ait un même acharnement dans les deux cas. Donc je crois qu'il y a un emploi fictif dans un cas. On ne sait pas. On sait pas la présomption d'innocence. On ne sait pas si c'est un emploi fictif. Donc on verra. Donc il y a un deux poids deux mesures. Et après, ce qui fait rire, c'est que les gens qui encore une fois se sont présentés comme des chevaliers blancs, sont pas plus propres que les autres. Donc ça. Ah oui, il y a un espèce d'effet arroseur arrosé qui amuse. Mais après, j'ai presque envie de défendre François Bayrou parce que je trouve sa réaction amusante qui vient du vieux monde politique. Et je crois qu'il y a un choc des cultures entre une culture managériale à la Macron et Bayrou qui est un homme de culture, un homme de gouvernement et qui ne supporte pas qu'on le dirige comme un pion dans une entreprise. Donc ça va être amusant de suivre ça. Et ça ne vous rappelle pas un souvenir, Yves Tréard, quand on entend François Bayrou dire au Premier ministre « en gros, tu peux toujours raconter ce que tu veux, je m'en fiche ». Moi, ça me rappelle un petit peu Arnaud Montebourg face à Jean-Marc Ayrault au début du quinquennat précédent. Oui, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord. Je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Simplement, le problème, ce n'est pas la moralisation de la vie politique. Ce n'est pas de savoir si ce que Bayrou fait est bien ou pas bien. C'est Bayrou lui-même. Parce que Bayrou, en fait, il est allé le chercher. Macron, il a voulu. Bayrou, il en avait besoin. Il en avait besoin d'abord pour se faire élire. Et souvenez-vous, quand il a rallié Macron, Bayrou a apporté 3-4 points. Ça s'est vu tout de suite dans les sondages. Après, il s'est dit, j'ai besoin de lui pour me constituer une majorité parlementaire. Parce que on n'arrêtait pas de gloser en disant, est-ce qu'il va avoir une majorité de parlementaires ? Et avec le MoDem, aussi petit soit-il, il s'est dit, bon, ça me fait quand même une force supplémentaire. Et puis aujourd'hui, il arrive avec un type qui est indirigeable. C'est un égocentriste qui est absolument incontrôlable. Il est incontrôlable. Et aujourd'hui, Bayrou, ça va être le souci majeur
de Emmanuel Macron parce qu'il ne va pas pouvoir le gouverner comme il veut. Il ne va absolument pas rentrer dans la discipline gouvernementale. Il estime qu'il est chez lui, parce qu'il estime que, en tous les cas, ce que fait Macron, bah, c'est l'idée que lui avait lancée dès 2002, d'ailleurs, quand il a dit « Je ne veux pas rentrer dans cette espèce de parti castrateur qu'est l'UMP, je reste centriste ». Après, il a eu son heure de gloire de 2007. Et en fait, il se dit, se perd la rigueur, se perd la morale, et se perd Fouettard, eh bien, ils vont voir de quel bois je me chauffe, ces enfants, ce fils Macron, qu'il considère comme étant quasiment son fils spirituel. Sauf que le fils spirituel, c'est pas du tout un gamin. Il a l'âge d'un gamin, mais il a l'autorité d'un garçon ou d'un homme de 60 ou 65 ans. Donc ça va être un clash. C'est pas du tout l'affaire Ferrand, l'affaire Bayrou. Parce que c'est une affaire de caractère. Ferrand, c'est l'homme lige de Macron. Donc il fera là où Macron lui dit de faire. C'est plus compliqué Bayrou, avec François Bayrou. Bayrou, ça sera. C'est une épine dans le pied. Moi, je fiche mon billet. Il va y avoir une crise gouvernementale qui va être engendrée par François Bayrou, qui en plus a. Je dirais l'inconvénient pour Macron d'être garde des Sceaux et d'être à la tête de ces projets de loi sur la probité et la moralisation de la vie politique. Brice Couturier, si vous étiez président de la République, est-ce que vous garderiez François Bayrou ou vous diriez, après tout, puisqu'on dit que je suis Jupiter, et bien je vais faire preuve d'autorité et lui dire... Écoutez, dans la mesure où Macron a réussi, comme on vient de l'entendre, ce que Bayrou avait tenté depuis une dizaine d'années, il serait difficile de s'en débarrasser. Parce qu'effectivement, c'est son allié naturel et que c'est quasiment le seul allié naturel que Macron ait. Par ailleurs, moi, ce que je trouve très dommage dans cette histoire, c'est que ça nous fait passer sous le boisseau deux affaires importantes. Un, c'est le contenu de cette loi de moralisation qui est quand même extrêmement ambitieuse, qu'il aurait été intéressant de développer avec la suppression de la réserve parlementaire, avec la suppression des indemnités représentatives de mandat et le fait que les députés vont devenir, comme de simples cadres d'une entreprise privée, redevables de leurs dépenses et qui ne pourront plus emmener leur maîtresse à Venise avec les indemnités en question, mais qui devront rendre compte de ce qu'ils ont fait avec cet argent. Des notes de frais. Après, donc, si elle voilà, passe... des notes de frais. Donc c'est quand même, là aussi, dans la moralisation, à mon avis, un élément assez important. Deuxième élément, et là je parle en tant que quelqu'un qui travaille sur une radio publique, c'est ce qui s'est passé quand M. Bayrou, ministre de la Justice et garde des Sceaux d'un côté, président du MoDem de l'autre, appelle la cellule d'investigation de Radio France pour leur dire « Arrêtez tout de suite vos investigations parce que là, je vais me fâcher ». Et qui dit « Je ne parle pas en tant que ministre de la Justice, je vous parle en tant qu'homme ». Il y a un mélange des genres qui est assez confondant. C'est très important. Alors, je vous coupe une seconde parce que figurez-vous que cette espèce de on parlait du double corps du roi. Cette fois-ci, c'est la double personnalité du ministre. Et ça a inspiré l'imitateur Nicolas Cantelou. C'était ce matin sur Europe 1. Et évidemment, il imitait François Bayrou. Regardez. Quand j'ai passé ce coup de téléphone, je n'agissais pas en tant que ministre de la Justice, mais en tant que citoyen. Oui, vous vous justifiez comme ça depuis une semaine. Mais comment on peut faire la distinction entre les deux? C'est une question de vocabulaire. Quand je suis ministre de la Justice, je dis que le travail des journalistes doit être irréprochable. Quand je suis citoyen, Madame Julie, je dis que les journalistes sont une belle bande d'enflures. Mais enfin, ça va pas, non? Excusez-moi, mais là, c'est le citoyen qui s'est exprimé. Ah bah, non, bravo. Alexandre Devecchio, c'est au-delà de l'imitation, sur le fond, quand François Bayrou dit parfois il y a le ministre, parfois il y a le citoyen, est-ce que ça vous paraît intéressant comme concept? Moi, je vais vous raconter une anecdote parce que je pense que là-dedans, il y a tout François Bayrou. Il se trouve que François Bayrou appelle en permanence. Parfois même, quand je travaillais à Atlantico, il laissait des commentaires sur le site. Véridique. Donc je ne crois pas qu'il ait appelé forcément pour mettre la pression. Je pense qu'il appelle souvent... pour convaincre. D'ailleurs, il appelle aussi quand les articles sont positifs, parce qu'il, effectivement, il est égocentriste, comme l'a dit Yves. Seulement, il a fait finalement une faute politique. C'est ça qu'on pourrait lui reprocher. Il a oublié que, d'une part, les journalistes étaient extrêmement corporatistes. D'autre part, ils aimaient surjouer parfois leur indépendance. Donc, je lui en veux pas beaucoup là-dessus non plus. Vous êtes moins sévère que Brice Couturier, parce que, du coup, je vous ai un petit peu interrompu pour lancer Nicolas Cantelou, mais vous trouvez que c'est inacceptable que le garde des Sceaux prenne son téléphone? Écoutez, moi, ce que je, ce, oui,
d'une part. D'autre part, c'est vrai qu'il doit se défendre, il a le droit de se défendre. Par ailleurs, ce que j'observe surtout, c'est qu'on rentre dans une nouvelle phase des rapports entre le pouvoir et la corporation des médias, que j'appelle parfois le parti des médias. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, le parti des médias n'est pas derrière Macron. Il lui est très hostile. C'est et là, un parti unique. On est dans une maison qui est peut-être là pour le faire savoir, mais il reste qu'il y a quand même effectivement un sentiment général d'un ensemble de médias qui donnent le ton, et que ces médias qui donnent le ton étaient déjà relativement mécontents de la manière dont Macron les avait traités pendant l'affaire du Mali, c'est-à-dire le président choisit les journalistes qui vont pouvoir l'accompagner, mais là une étape supérieure est franchie dans cet affrontement qui va avoir lieu de plus en plus ostensiblement entre le parti des médias et la présidence, parce qu'effectivement le temps des petites phrases du président qui ne devrait pas dire ça, c'est terminé. Aujourd'hui on est dans un rapport beaucoup plus tranché et beaucoup plus offensif de part et d'autre. Mais si je peux ajouter une chose, il y a une contradiction majeure dans ce pouvoir aujourd'hui, et qui incarne parfaitement François Bayrou, c'est que ce rapport aux médias, ce rapport à l'opinion, est un rapport qui est un rapport, je dirais, daté, qui est un vieux rapport qu'on ne voudrait plus voir, alors que eux, dans leur discours, la posture, ils voudraient justement de nouveaux usages. Eh bien, là, je pense qu'ils vont au-devant de graves difficultés s'ils continuent comme ça. Et je pense que Bayrou, comme il dit, on ne peut pas l'arrêter. On ne l'arrêtera jamais. On peut l'arrêter que s'il est débranché. Et il va être débranché, sinon ils vont au-devant de gros problèmes avec ce monsieur. Eh bien, écoutez, on va, c'est très bien, ça sera une affaire à suivre, on vous réinvitera pour commenter la suite des aventures de François Bayrou. Je vous propose de passer au deuxième thème de ce débat. Nous l'avons intitulé « La droite éparpillée façon puzzle », hommage évidemment au tonton Flingueur, qui paraît-il est le film préféré du président de la République, qui aime en citer des extraits. Cette droite éparpillée façon puzzle, eh ben, elle essaye autant qu'elle peut de faire campagne entre les deux tours de législative, mais on voit bien qu'il y a une division profonde entre ceux qui soutiennent plus ou moins ouvertement, et d'ailleurs parfois totalement ouvertement, le nouveau gouvernement, celui d'Édouard Philippe et la majorité d'Emmanuel Macron, et puis la droite d'opposition, entre guillemets. Alors, cette fracture sur laquelle on va revenir, en fait, elle n'est pas nouvelle. Elle date peut-être même de 2007. C'est en tout cas le point de vue de Dominique Perben, ancien garde des Sceaux, de droite, mais qui s'est prononcé en faveur d'Emmanuel Macron et qui était hier au Talk remarquablement interviewé par Yves Tréhard. Merci, regardez. Merci. En vérité, notre famille politique, jusqu'en 2007, elle accueillait assez bien, mais dans une relative respect, un respect réciproque, plusieurs familles politiques. Ça, c'était l'esprit c'était de l'esprit Jacques UMP, aussi. Jacques Chirac. Il y avait des anciens UDF, des anciens RPR, des démocrates chrétiens. Tout le monde se... Bon. À partir de 2007, je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas été suffisamment attentif à la vie du parti dont il était issu. Parce qu'il y a eu un raidissement, peut-être. Il a laissé les choses se faire. Il y a eu un appauvrissement au niveau du débat politique. Ouais. Et il y a eu une droitisation. Ce qui fait que, progressivement, un certain nombre de gens se sont plus sentis à l'aise. Alors, il y a plein de choses dans ce que vient de dire Dominique Perben. Le premier point, c'est de dire, à droite, avant, cohabiter tranquillement des centristes et ceux qui venaient du RPR. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible. Est-ce que vous partagez, Guillaume Bernard, ce constat ? Déjà, la création de l'UMP en 2002, si je ne m'abuse, c'est quelque chose, je dirais, de nouveau quand même dans la droite. Il y avait quand même avant plusieurs partis qui traduisaient plusieurs sensibilités ou plusieurs origines, je dirais, sociologiques. Le fait de vouloir les faire cohabiter toutes ensemble dans un même parti politique, ça a conduit quand même plutôt au départ à un recentrage de la droite. Et puis effectivement, Nicolas Sarkozy est arrivé. Et lui, il a fait campagne, et c'est un tournant dans l'histoire de la vie politique de la Ve, non pas qu'il n'y ait pas eu avant des hommes politiques de droite qui s'assumaient de droite. Mais pour la première fois, on a eu un homme politique de droite qui gagne la présidentielle en s'affichant de droite. Après, la manière dont il a gouverné, c'est une autre affaire. Mais il a effectivement assumé le fait que l'opinion publique de droite se redroitisait. Et donc, par conséquent, effectivement, il y a là, aujourd'hui, évidemment, quand c'est la victoire, c'est facile, je dirais, de se rassembler. Mais quand c'est la défaite, évidemment, les choses partent à volo. C'est-à-dire qu'il y a une distinction
distorsion, il y a une fracture qui est non seulement d'ordre sociologique, qui est d'ordre stratégique, mais qui est aussi d'ordre idéologique. Et fondamentalement, ce que Dominique Perben disait, sans le dire explicitement, c'est qu'en fait, il y a évidemment une opposition, une incompatibilité d'humeur et idéologique entre ceux qui sont vraiment et pleinement et uniquement libéraux et ceux qui sont certes peut-être libéraux d'un point de vue économique, mais qui dans le fond, sur les autres questions, la construction européenne, les mœurs, la bioéthique, la société, l'immigration, beaucoup plus en fait rigoristes, beaucoup plus conservateurs. Il y a une vraie fracture, et la fracture idéologique, elle ne passe plus dans le fond entre ce qui était auparavant la droite et la gauche sur des questions économiques, mais elle passe en fait, cette fracture idéologique, au sein de la droite, entre ceux qui veulent réunir ou rassembler ou soutenir ou la grande coalition centriste libérale de Macron et ceux qui veulent s'afficher et s'affirmer comme étant véritablement de droite. Et cette opposition-là, elle est d'ordre idéologique, mais du coup, elle a des conséquences stratégiques. Parce que lorsque, au soir du premier tour, je dirais, de la présidentielle de cette année, vous avez l'abandon du Nini pour immédiatement se rallier à l'ancien Front républicain, ben là aussi, il y a eu une distorsion par rapport à l'opinion des électeurs de droite. On sait qu'il n'y a que 50% des électeurs de Fillon qui sont allés voter pour Emmanuel Macron. Les autres 50%, eh bien, soit ne sont pas allés voter, soit ont voté pour Marine Le Pen. Donc là, la distorsion, elle est idéologique, mais elle est aussi stratégique. Alexandre Devecchio, vous croyez qu'il est en train de se passer quelque chose d'irrémédiable, c'est-à-dire que au lendemain des législatives, la droite va se fracturer et retrouver ces deux familles dont nous parlait Guillaume Bernard? Oui, je pense effectivement qu'il y a deux droites irréconciliables et que d'une certaine manière, Macron permet de clarifier les choses. Après, je pense que ça se situe dans un contexte beaucoup plus vaste de dégagisme général qui touche également le Front National et qui a une recomposition globale, effectivement. Effectivement, il y a une grande coalition libérale et européenne et à mon avis, il y a toute une partie de la droite qui devrait naturellement la rejoindre parce qu'idéologiquement, elle est en conformité totale avec Macron. Et d'ailleurs, on a vu les difficultés de la droite à faire campagne puisqu'ils ont expliqué pendant toutes les législatives que le programme de Macron n'était pas si mauvais. On a vu effectivement le résultat. Donc tout ça s'inscrit dans une grande recomposition où finalement, il y a le parti de Macron qui pour l'instant incarne la France qui va bien. La France des gagnants de la mondialisation et il y a un immense espace à prendre, celui des 50% d'abstentionnistes des législatives, du parti finalement des perdants de la mondialisation. Et à mon avis, il y a toute une droite conservatrice populaire qui peut s'adresser à ce vivier électoral-là. Et pour l'instant, elle ne le fait pas, puisque justement, elle est bloquée dans cette espèce d'appareil qui est les Républicains, mais qui idéologiquement est totalement obsolète et qui va bien sûr finir par exploser à un moment ou à un autre. Brice Couturier, c'est vivement lundi pour les Républicains qu'on puisse avoir cette clarification. Je suis d'accord avec Alexandre Devecchio. La recomposition n'épargnera personne, ni les Républicains, ni le Front National. Ce qui est en œuvre, c'est quelque chose de l'ordre de 1958-62, une séquence de genre-là où les partis politiques vont exploser. En fait, aux Républicains, vous avez plusieurs tendances. Pour résumer, je ne suis pas un spécialiste, mais en gros, vous avez une droite conservatrice et souverainiste, qui est, je dirais, Marion Maréchal compatible. Quand le Front National va éclater et que cette tendance va se manifester de manière ouverte, une partie de cette droite la rejoindra. Je pense à des gens comme Wauquiez, bien entendu. Vous en avez une autre qui est Macron compatible depuis le début et qui l'a affiché clairement, puisque le Premier ministre est issu de ses rangs, Édouard Philippe. Puis vous avez une autre partie des Républicains... C'est proche d'Alain Juppé, ce qui est sans doute pas un hasard. Mais vous avez une autre partie des Républicains qui vont être élus sous leur étiquette, mais qui vont quand même appuyer ce gouvernement, soit en totalité, soit en partie sur les projets de loi sur lesquels ils seront d'accord. Et alors là, vous avez tout le monde, Riester, Jégo, etc., une quasi-majorité des Républicains en réalité. Et puis, je dirais, vous avez la tendance Baroin, qui est celle qui prétend qu'on peut encore réunifier la famille. Mais ceux-là, ils n'ont rien compris au film. Ils s'imaginent qu'on est encore avant Macron. C'est fini, ça. On va réunifier la famille et on va gouverner dans un cadre de cohabitation, comme le prétendait Baroin à l'issue du résultat des élections présidentielles. Cette tendance-là, il faut qu'elle disparaisse. Fait qu'effectivement, que les Républicains se scindent et que les choses soient claires. Mais ce qui est en train d'arriver au PS aussi. Yves Tréard, il y a un chroniqueur du Figaro bien connu
qui s'appelle Éric Zemmour, qui dit si la droite explose, il y a une partie qui ira chez Emmanuel Macron, et une autre partie qui ne pourra pas reprendre le pouvoir toute seule, il faudra qu'elle tende la main au Front National. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui est en train de s'annoncer? Brice Cordier parlait d'une partie de la droite qui était Marion Maréchal Le Pen compatible. Je suis d'accord avec ça qu'elle est compatible, mais je ne sais pas si c'est plutôt Marion Maréchal Le Pen qui va venir manger dans la gamelle de cette droite-là, ou si c'est le contraire. Moi, je crois que le problème est beaucoup plus compliqué que ce qu'on vient d'exposer. Encore plus compliqué. Ouais. Parce que déjà, c'était pas simple. Pourquoi? Je suis d'accord sur le constat des deux droites, grosso modo, qui a été dressé entre, on va faire vite, l'UDF et le RPR, tendance RPR, tendance UDF. Sauf que, je dirais que ce mouvement, il ne vient pas de la droite elle-même. L'UDF, c'est Giscard d'Estaing, qui était un homme affiché de droite, qui était de droite. Là, celui qui bouscule tout, qui dynamite tout, il vient d'ailleurs, peut-être de la gauche, mais on n'est pas sûr d'ailleurs. Il vient d'ailleurs, il s'appelle Emmanuel Macron. Il est en train de tracer un sillon, là, s'il arrive à tenir le cap, qui fait passer dans une lessiveuse l'ensemble de la vie politique française. C'est-à-dire qu'à terme, à l'avenir, si tout se passe comme on le voit à peu près, c'est pas à côté de Macron un mouvement avec Édouard Philippe et on va dire la tendance libérale de la droite, pas du tout. C'est un mouvement qui va se créer et qui va aller grosso modo de Valls à Juppé, oui, ou aux enfants de Juppé, on va dire. Hein. Et voilà. Et ce mouvement central, s'il perdure, il va tout manger. C'est-à-dire que vous n'aurez plus deux gauches de gouvernement et deux droites de gouvernement. Il y aura un axe central. Oui, vous aurez les deux extrêmes, voilà, et puis voilà. Entre... Ça, c'est le rêve d'Emmanuel Macron. Alors, mais la droite est formidable, mais la plus belle du monde. Ceux qui vont manger dans la gamelle, pour parler un peu vulgairement, de Emmanuel Macron, et qui s'apprêtent à le faire après les législatives, ceux-là, ils vont être obligés de rentrer dans le rang d'une certaine façon. Ils vont être obligés de rentrer dans le rang. Mais ce serait clair, parce que idéologiquement... Les constructifs, à mon avis, je leur donne... Idéologiquement, c'est une clarification idéologique. Je ne vois pas comment les constructifs peuvent résister. Et qui est extrêmement positif, parce que dans le fond, maintenant, il y a trois blocs, et psychologiques et idéologiques. Vous avez une gauche qui s'assume socialiste, vous avez la grande coalition social-libérale ou libérale tout court, et puis vous avez effectivement une droite qui est, alors là, et vous avez eu raison de le dire, est totalement éparpillée, et qui aujourd'hui est bloquée parce qu'en fait, il y a deux partis politiques, LR et le Front National, qui sont d'ailleurs eux-mêmes divisés, parce que vous avez parfaitement raison, le Front National est lui aussi divisé, mais de la même manière que le PS a été aspiré d'un côté par Mélenchon et de l'autre côté par Macron, LR va connaître la même évolution. Là où je suis parfaitement d'accord, c'est que ça ne veut pas dire que le Front National va aspirer, puisque lui-même est dans de graves difficultés de tension interne, aspirer ce qu'il restera de LR, mais en revanche qu'il peut y avoir une recomposition. Seulement, cette recomposition nécessite deux choses, et j'en ai pour une seconde. Un, d'identifier les raisons pour lesquelles il y a eu et la contre-performance de Fillon et la contre-performance de Marine Le Pen, parce que s'il n'analyse pas les raisons, notamment sociologiques, c'est-à-dire la partition entre les classes populaires et les classes moyennes, d'une part, ils n'y arriveront pas, et deuxièmement, d'identifier les raisons doctrinales qui font que l'un comme l'autre, et LR et le Front National, avaient un discours qui était incohérent. Associer, je dirais, le libéralisme, d'une certaine manière, qui est une doctrine cohérente avec le conservatisme, ça peut provoquer des frictions. Et puis associer, je dirais, le néo-jacobinisme avec, je dirais, une forme de populisme, bah, là aussi, ça peut provoquer un certain nombre de frictions. Ce qui fait que ces deux partis politiques-là, à terme, logiquement, si la droite veut se recomposer et veut reconquérir le pouvoir, ces deux partis-là sont voués à disparaître. Alexandre Devecchio, on a beaucoup parlé d'une droitisation de la société française. Et en même temps, si on regarde le résultat du premier tour des législatives, c'est pas évident que ça. Il y a évidemment la contre-performance du Front National, alors qu'on peut expliquer peut-être par la délégitimation de Marine Le Pen, après notamment le débat contre Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle. Mais les candidats, on va dire, bien à droite des Républicains, je pense à Jacques Myard à Maison Lafitte, je pense à Jean-Frédéric Poisson, ils sont mal eux aussi. Donc finalement, il n'y a peut-être pas assez d'espace pour cette droite, vraiment de droite.
Non, mais moi, j'ai jamais cru à la fin. Je pense que l'expression droitisation est mal choisie. C'est pas une question de droitisation. C'est une question, j'ai dit tout à l'heure, de France qui va bien, qui est dans le jeu de la mondialisation, qui est plutôt libérale, plutôt européenne, et une France plutôt populaire qui veut qu'on change les règles du jeu et qui veut être protégée. Et en fait, aujourd'hui, elle a pas de représentante, cette France-là, et c'est pour ça qu'il y a eu une abstention massive. On assiste à un phénomène de désaffiliation électorale totale, tout simplement parce qu'elle n'y croit plus. Elle veut plus aller voter à droite parce qu'elle voit bien que les contradictions sont trop grandes et que la droite ne porte pas vraiment. C'est un parti trop bourgeois, quoi, c'est ça? Pas forcément trop bourgeois, mais en tout cas, qui défend des intérêts de classe qui ne sont pas les mêmes. Et Baroin a fait une campagne, je suis désolé, pas du tout très à droite, pas du tout sur les questions qui intéressent les classes populaires, pas sur la sécurité, pas sur l'identité. Il a fait une campagne totalement Macron-compatible. On se demandait s'il voulait être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc comment vous voulez ensuite mobiliser ces gens-là pour leur demander d'aller voter? Je crois qu'il faut y croire pour faire ces campagnes-là. Baroin, il était beaucoup mieux chez Macron qu'il n'avait rien à faire. Il n'y croyait pas deux secondes, d'ailleurs. Il suffisait de le regarder. Il ne croyait pas à ce qu'il disait. Oui, ce qui est assez fréquent chez les hommes politiques, mais là, c'était vraiment trop flagrant. Vous nous avez le dernier illusion, j'arrive. Voilà. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il y a eu un prisme déformant, et d'ailleurs, François Fillon avait regardé cette réalité-là en se disant « je vais essayer de l'aspirer », c'est quand même la manif pour tous. La manif pour tous, Fillon s'est dit « j'ai trouvé le truc, les autres n'en parlent pas, j'ai le truc, et c'est comme ça que je gagne la primaire ». C'est un peu comme ça qu'il a gagné. Sauf que cette droite-là, elle n'est pas majoritaire dans le pays. Elle n'a jamais été majoritaire. On a été impressionnés par ce mouvement. Mais ce mouvement, c'est un mouvement qui n'est pas frondeur en plus. Parce que vous avez énormément de gens qui ont défilé et qui, une fois la loi passée, on dit, bon, on passe à autre chose. On va pas. Je crois que la droite dont vous parlez, de Jacques Myard, de Jean-Frédéric Poisson et de quelques autres, elle est en train de mourir, cette droite-là. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sûr. Elle est en train de mourir. Pour ça qu'on les a mis l'un à côté. Elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir en volume. Ouais. Non. Elle correspond à une époque. Je ne suis pas certain qu'elle puisse survivre à son époque. Et vous savez, Jacques Myard, il défend des thèses. Jacques Myard, il est élu pourquoi? Parce qu'il est à droite dans une circonscription où on est bourgeois. À Maison-Laffitte, on n'épouse pas les idées de Jacques Myard. Ouais. Jacques Myard, il est élu parce qu'il est là. Mais à Maison-Laffitte, on est dans une droite, je dirais, bourgeoise, mondialiste. Voilà. On n'est pas du tout. Et Jacques Myard se fait battre là. Mais évidemment, parce que d'abord, il arrive au bout de je ne sais pas combien de mandats. Enfin, ça doit faire au moins la quatrième tentative. Et puis, il se fait éjecter. C'est pour ça qu'Henri Guénot a eu des résultats qui l'ont déçu. Alors, Guillaume Bernard, est-ce que la droite manif pour tous, on va dire, elle est en train de mourir? Non, je ne crois pas. Elle est tellement minoritaire. Surdimensionnée. Oui, voilà. Justement, vous avez parlé d'Henri Guénot, il a dit au début de la campagne des législatives quelque chose qui est très vrai. Peut-être qu'à la fin des législatives, il a peut-être dit aussi quelque chose de très vrai, mais peut-être de très maladroit. Mais en tout cas, il est certain qu'il ait dit une chose, et ce qui explique, à mon avis, le résultat, et je dirais le miroir déformant que nous avons avec ces élections, c'est le fait que, tout simplement, on pouvait voter, ou les électeurs pouvaient voter pour une même étiquette et avoir en fait derrière cette étiquette des produits parfaitement différents. C'est ça le problème. La démobilisation de l'électorat de droite, qui s'assume vraiment d'une droite alternative, c'est sans doute un tiers de l'opinion publique, de la même manière qu'il y a un tiers pour Macron, pour la coalition centriste, et qu'il y a un tiers pour la gauche, sans doute un tiers qui se rétrécit, sans doute quand même un peu, plutôt un quart. Mais en tout cas, il est certain qu'elle existe, cette droite. La seule chose, c'est qu'elle s'est démobilisée parce qu'elle était déboussolée. Comment voulez-vous que l'électorat puisse se reconnaître dans des candidats dont on leur dit que la même étiquette recouvre aussi bien des gens qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron que des gens qui ont appelé à le combattre? Il y a une incohérence. Et alors, quant à la redroitisation ou la question de la droite manif pour tous, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'elle est jeune, qu'elle est politiquement parlant, quand on regarde les enquêtes sociologiques, beaucoup plus radicale que ses parents, et elle se réaffirme dans ses valeurs. Donc aujourd'hui, bien sûr que la droite est minoritaire. D'une certaine manière, la conception
contractualiste de la société, que ce soit du contractualisme socialiste ou du contractualisme libéral, c'est pleinement majoritaire. Mais en revanche, cette droite qui réaffirme l'organicisme social, qui réaffirme, je dirais, l'idée d'un enracinement historique, elle est minoritaire, mais elle reprogresse et elle se réaffirme dans ses propres valeurs. Elle a été en partie, elle a été en partie mal interprétée. Parce que ceux qui ont défilé, ce ne sont pas de vieux réacs conservateurs ou jeunes réacs conservateurs. Ce sont des gens qui n'étaient pas contre le mariage pour tous. Ils étaient contre les conséquences du mariage pour tous. En particulier l'adoption. Filiation. Mais si, c'est beaucoup c'était ça. Alors, et une fois que le mariage était passé, ils peuvent encore se mobiliser sur la filiation. Ils vont se mobiliser dessus d'ailleurs, si le président de la République fait le faux pas qui risque d'avoir lieu, notamment sur la PMA, parce que sur la PMA, il me paraît un peu branlant, si vous me permettez l'expression. Il y a des phénomènes de mariage à plusieurs, à trois qui se développent. On l'a mal lu, on a cru que c'était un rejet total. C'était pas Juste un point sur la sociologie, à mon avis, électorale. À mon avis, là où on se trouve, c'est qu'il y a deux bourgeoisies. Il y a une bourgeoisie mondialisée, boboisée, et il y a une bourgeoisie traditionnelle. Et à mon avis, la clé pour la droite, pour gagner et pour être majoritaire, parce que je pense qu'elle peut être majoritaire, c'est de faire l'alliance entre les classes populaires et la bourgeoisie traditionnelle qui est déclinante et qui sent justement que ces valeurs ne sont plus respectées par une nouvelle bourgeoisie mondialisée. Donc je crois la droite qui saura faire cette synthèse-là et parler à ces deux sociologies-là sera majoritaire demain. Moi, je pense qu'une fois que les réformes sont faites, si elles sont faites et que la France avance... Vous avez le mot de la fin, je ne sais pas si vous avez envie de départager nos interlocuteurs. Oui, enfin, je suis d'accord avec Yves Tréhard, avec exactement ce qu'il vient de commencer à dire, je vais peut-être le poursuivre à sa place. Moi, je pense effectivement que si les réformes en cours, ajournées depuis 10 ans et promises depuis 10 ans par deux équipes successives qui ne les ont pas accomplies, sont mises en œuvre, le chômage, qui est aujourd'hui à un niveau insupportable, va baisser et que ces fameuses classes populaires qui aujourd'hui ont le sentiment justifié du déclin de leur niveau de vie et de celui de leur pays, vont pouvoir rejoindre le grand clan majoritaire de ceux qui pensent qu'effectivement le pays est engagé dans une bonne voie. Effectivement, il n'y a pas que le niveau de vie, il y a le mode de vie. Et puis il y a surtout la fin du chômage, parce que le fond du problème est là quand même. C'est effectivement un débat de fond, savoir quelle est l'importance des enjeux économiques dans le choix, dans la détermination des choix politiques des Français. Je vous propose de passer au troisième et dernier thème de notre débat du jour. La place, ou plutôt l'absence de l'immigration dans la campagne législative, comme d'ailleurs sa grande discrétion dans la campagne présidentielle. Ce qui nous a donné l'idée d'aborder ce sujet, c'est la une du Figaro de ce matin qui fait état d'un flux plutôt croissant de migrants venus d'Afrique en Europe. C'est un sujet qui est extrêmement débattu dans un grand nombre de pays européens, et notamment l'Italie, parce qu'ils sont les premiers concernés. Et curieusement, en France, l'immigration et on va dire globalement les sujets qui fâchent, et pour aller vite, l'immigration et l'islam ont été très 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 peu présents, en tout cas en apparence, dans ces deux dernières campagnes présidentielles et législatives. Brice Couturier, est-ce que vous partagez ce constat et comment l'expliquez-vous si vous le partagez ? Oui, je le partage tout à fait. Et moi, je suis très déçu et très inquiet de voir que Malek Bouti, par exemple, qui réclamait l'investiture de La République En Marche, ne l'a pas obtenu et qu'il a été même battu. Parce que voilà un homme qui représentait depuis la gauche une vision de la laïcité qui me convenait parfaitement. Je suis très déçu de voir que... Une laïcité rigoureuse, notamment contre l'islam. Parce que quand même, un des principaux problèmes que ce pays affronte, c'est effectivement l'islamisation. On le voit, des quartiers où les femmes ne peuvent plus circuler librement, etc. Des quartiers des écoles où il est impossible de boire ou de manger parce que c'est l'époque où c'est interdit par l'islam. Parce que c'est le ramadan. Donc oui, c'est très inquiétant. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ça ne s'est pas figuré à l'agenda. Maintenant, quand on dit que Macron n'a pas d'idée là-dessus, ce n'est pas vrai. Moi, je l'ai lu. Il en a. Il dit des choses très précises. Il dit qu'il est contre le multiculturalisme. Il dit contre l'assimilationnisme. Il est pour l'intégration, position moyenne effectivement entre ces deux extrêmes. Et il a un programme sur l'immigration qui se résume à peu de choses en fait, c'est effectivement aider l'intégration par des cours. Il a parlé de cours de français obligatoires et payés par l'État pour les immigrés en situation légale. Il a parlé de la création de 5000 gardes frontières pour veiller le long des côtes européennes. Maintenant, est-ce que c'est pour veiller de manière à ramener depuis la Libye d'où il semble
embarque ces migrants ou si c'est pour les faire venir en Italie plus facilement, ce n'était pas clair. Il a dit aussi qu'il était pour Schengen alors que la droite a fait campagne contre pour la fin de cet espace de circulation en Europe. Donc oui, il a des positions sur l'immigration. Je ne sais pas s'ils sont les plus populaires dans l'opinion. En tous les cas, il a été élu malgré cette impopularité relative sur cette question. Guillaume Bernard, un mot sur ce constat de ces thèmes dont on dit qu'ils sont très prégnants dans l'opinion française et qui finalement étaient assez peu abordés. Pourquoi ? Ben écoutez, moi je pense qu'il y a une explication assez simple, c'est que le camp politique qui avait intérêt normalement à parler de ces questions-là parce qu'il apparaît comme étant plus légitime, parce qu'on sait que, pour simplifier, la gauche et les idées de progrès, etc., d'utopie, d'égalité, de la droite, c'est l'idée de l'identité, de l'enracinement de l'histoire. Cette droite-là, eh bien, en fait, elle s'est d'une certaine manière rendue, je dirais, à la stratégie politique de l'adversaire. C'est-à-dire que le Front National a voulu obtenir une crédibilité en disant « Je n'existe pas que par mon discours sur l'immigration ou l'insécurité. Je vais vous parler d'économie. » Et là, la crédibilité, il faut bien reconnaître qu'évidemment, elle a dégringolé. Et quant à François Fillon, eh bien, il était dans une situation où il voulait essayer évidemment de mordre sur la droite conservatrice, mais pas trop quand même, pour ne pas perdre cet électorat qui serait tenté par, Valls au début, François Hollande peut-être, et finalement Emmanuel Macron. Et donc en fait, il a fait une campagne sur le libéralisme économique. Et donc par conséquent, les deux partis de droite qui avaient intérêt a priori à mettre en valeur le fait qu'il n'y a pas que le niveau de vie, il y a aussi le mode de vie, et que le patrimoine, il n'est pas que matériel, il est aussi culturel, ces deux partis politiques-là sont passés complètement à côté de leur propre campagne. Est-ce que ça pourrait expliquer le niveau d'abstention du premier tour des législatives, Alexandre Devecchio, si une partie de l'électorat s'était dit, puisque vous n'abordez pas ces thèmes qui, moi, me concernent, je ne vais pas voter. Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de désaffiliation. Il y a même le retour d'une forme de scrutin censitaire. Alors, bien sûr, ce sont les plus modestes qui se sont auto-exclus, mais se sont dit on ne nous protège pas. On ne parle pas des délocalisations, mais on ne parle pas non plus, effectivement, des problèmes d'insécurité physique, d'insécurité culturelle. Et donc, ils ont fait, en quelque sorte, sécession. Et le grand défi d'Emmanuel Macron, ça va être de rassembler les défrances, la France des gagnants et la France des perdants. Et je ne crois pas du tout que l'économie suffise à les rassembler. Ça pourrait être un plus, sauf que je ne crois pas du tout au logiciel d'Emmanuel Macron qui a échoué depuis 40 ans et on verra très bien d'ici un an et demi, deux ans qu'il échouera de nouveau. C'est ma grande différence avec Brice Couturier. Je pense que moi j'appartiens à une génération à qui on avait vendu l'Europe du vivre ensemble, de la prospérité. Et on a eu l'Europe du chômage de masse, l'Europe du terrorisme, l'Europe de l'insécurité, l'Europe du multiculturalisme avec tous ses effets. Et je vois pas comment Macron peut changer ça en étant malgré tout le prototype de ce modèle de société-là. Brice Couturier a dit il n'est pas multiculturaliste, mais il est quand même extrêmement ambigu sur cette question. Non, quand il dit le contraire. Je suis hostile au multiculturalisme. Oui, après avoir dit il n'y a pas de culture française, il l'a dit chez nous, je ne suis pas multiculturaliste. Mais il a été dans le summum de l'ambiguïté là-dessus. Et encore une fois, le projet économique n'a pas fonctionné depuis 40 ans. Et je crois qu'il y a toute une partie de ces classes-là qui aujourd'hui demandent la protection et qui demandent à ce qui n'y croient plus et qui demande à ce qu'on revoie le modèle économique, non pas libéral, parce que je crois que les grands perdants sont aussi les petits commerçants, les artisans, etc., mais néolibéral, qui favorise les grands groupes, mais qui tue finalement toutes les cultures locales, tous les petits. Donc Macron peut réussir, mais il va falloir qu'il renie, que Macron président renie Macron candidat. Vous parliez tout à l'heure, Brice Couturier. Je voudrais d'abord dire, il y a une limite à la théorie, l'histoire de l'abstention. Vous savez, prenez l'abstention il y a 5 ans, elle était à 40% législative. Il ne faut pas oublier que ça fait un an que les Français sont dans la lessiveuse électorale. Et je peux vous dire, ça n'a aucun caractère scientifique, mais autour de moi, par exemple, c'était fed up, ras-le-bol. Et il y a au moins 10%, c'est le différentiel entre 2012 et aujourd'hui, 10% des Français qui ont dit, bon, ça suffit, puis de toute manière, comme ils étaient tellement déçus. Comme vous avez et la gauche et la droite qui a perdu, forcément, La deuxième chose, c'est que sur l'intégration, parce que je pense que l'immigration, on mélange tout, pas nous, mais les hommes politiques mélangent tout quand ils parlent d'immigration. D'abord, ça nous arrive parfois. Il y a deux immigrations, il y a l'immigration légale et l'immigration clandestine,
qui, elle, est le vrai problème. Après, l'immigration légale, ça dépend où on met le curseur. Mais notre problème à nous, y compris sur l'islamisme et tout, il vient pas de l'immigration, je suis désolé. Il vient des ratés, mais complets, de l'intégration depuis 50 ans dans ce pays. Et il suffit de prendre la liste de tous ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire dans le terrorisme. Prenez leur parcours de vie. Ils sont français. Ils sont souvent d'origine, effectivement, étrangère. Ils sont français, d'origine arabe et musulmane pour beaucoup d'entre eux. Ils ont fait un parcours judiciaire, mais hallucinant, avec des casiers judiciaires qui sont... Et c'est une succession de ratés qui ne vient pas de Bruxelles, qui vient... de rater de la politique française. Non, parce qu'en fait, je vais répondre sur les deux points. De rater de la politique française aussi bien sur le plan régalien que sur le plan économique. Alors, je vais vous donner un exemple peut-être de je ne sais pas si c'est un raté, en tout cas, c'est la preuve de cette difficulté. Merwan Mehadji, qui scrute les réseaux sociaux pour le Figaro, s'est intéressé à un sujet intéressant, pardon de cette répétition, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, s'est aventurée, entre guillemets, dans le quartier de la Chapelle Pujol, mais c'est Merwan qui va nous expliquer tout ça. Bonsoir Merwan. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur de communication sur les réseaux sociaux. C'est celle de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Après un article du Parisien avec des témoignages de femmes se plaignant d'être victimes de harcèlement dans le quartier Chapelle-Pajol à Paris, la remplaçante de Laurence Rossignol a décidé de se balader seule dans les rues pour prouver qu'il n'existe pas de zone de non-droit. Après son escapade nocturne, elle a publié des photos sur son compte Twitter pour prouver sa bonne foi, sauf que de nombreux internautes ne l'ont pas vu de cet œil, voyant une opération de communication ratée. Marc note par exemple sur Twitter qu'en se mettant en scène de la sorte, elle accuse les victimes de mentir. D'autres se demandent si c'est le travail d'une ministre de se déplacer dans la rue. Et Pierre Licia, par exemple, un élu LR du 18e arrondissement, qualifie son attitude de consternante et méprisante et pense que le calme dans le quartier est plutôt dû à la polémique. Bref, son opération qui se voulait rassurante a donné l'effet inverse. Marlène Schiappa avait prévu d'autres déplacements anonymes sur l'ensemble du territoire. Pas sûr que le prochain se fasse demain. Alexandre Devecq, comme je vous ai coupé la parole il y a quelques instants, je vous la rends. Non, je réponds simplement à Yves parce qu'il décorrèle la question de l'intégration, de la question de l'immigration. Or, je crois, même si c'est polémique, que les deux sont liés pour avoir habité dans des quartiers où il y a une majorité. Moi aussi, j'ai habité. Non, mais on ne peut pas intégrer quand les flux migratoires ne sont pas maîtrisés. C'est l'immigration d'il y a 50 ans, il y a 40 ans. Alors, c'est le regroupement familial de Valéry Giscard d'Estaing. Je veux bien qu'on parle de l'immigration d'aujourd'hui qui est immaîtrisée. Ça, c'est évident. Comme c'est un débat en soi, je vous propose... Les problèmes qui nous concernent aujourd'hui, ce sont des problèmes d'intégration, ce sont des problèmes qui viennent de l'immigration il y a 40 ans et l'Europe n'a rien à faire. Alors nous referons, alors cette fois-ci c'est moi qui vous interromps tous parce que vraiment on pourrait faire un débat là-dessus parce que c'est un sujet considérable et comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on le traiterait superficiellement, à mon avis ce serait une erreur. Guillaume Bernard, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la secrétaire d'État? C'est bien un ministre qui va sur le terrain? Oui, avec combien de compagnies de CRS pour la protéger? Parce que c'est quand même ça la question. Enfin, honnêtement, moi j'ai découvert ça avec vous cet après-midi. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, un ministre qui prétend qu'il n'y a pas d'insécurité parce qu'elle peut se promener dans un quartier alors qu'évidemment elle est protégée par des agents de sécurité, c'est totalement ridicule. Brice Couturier, c'est aussi peut-être le signe d'une bonne volonté ou d'une difficulté à vouloir traiter ce sujet oui, du communautarisme. J'incline plutôt pour la deuxième hypothèse. Oui, il y a le déni, évidemment. C'est le déni d'une classe politique dans son ensemble. Alors je regrette qu'effectivement le clan Macron, qui semble sortir de ce déni pour la plupart des autres dossiers, continue à vouloir boucler celui-ci et à le cacher sous la table. Le déni de ces tensions d'islamisation de certains quartiers. Le déni du fait qu'il y a certains quartiers qui sont devenus invivables pour les femmes, où il est impossible de se promener en jupe. Enfin, moi je suis un enfant des 60s, excusez-moi, mais la mini-jupe pour moi c'est une conquête culturelle et sociale. Et l'idée que certaines de mes amies soient interdites de circulation dans cette tenue me révolte absolument. On est chez nous, comme disent les gens d'en face, pas mon camp à moi, mais on est chez nous et on a gagné ces libertés dans les années 60 et 70 et que les nouveaux venus
revenus sachent bien qu'elles ne sont pas négociables, ces libertés d'aller et venir pour les femmes, de jour comme de nuit, dans quelque endroit que ce soit du territoire de la République. Justement, vous pensez que ça va être un des sujets les plus difficiles à gérer pour Emmanuel Macron, cette montée des pressions communautaristes? Oui, c'est un sujet qui est capital, c'est un sujet qui est compliqué pour la droite et pour la gauche, parce qu'aucune... on fait assaut de démagogie des deux côtés. Hein. On manque un peu de pragmatisme, on est plein de théories, mais la c'est pas ça pour le problème. Coup, c'est pas il y a 40 ans, c'est maintenant, et c'est plein de théories. La chapelle Pajol, en général... Laissez-moi en parler, quand j'ai fait des reportages il y a 30 ans là-bas, c'était déjà comme ça, et c'était vérolé par le trafic de drogue, par des problèmes d'immigration, par une insalubrité de logement, mais comme vous ne pouvez pas vous imaginer, une intolérance, et les policiers ne pouvaient pas rentrer dans ces quartiers-là. Et à chaque fois qu'ils réglaient le problème, ça se déportait dans un quartier à côté. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait depuis 40 ans de ce point de vue, parce que tout le monde fait un saut de démagogie. Et j'en veux beaucoup à un homme là-dessus, qui avait fait la promesse qu'il réglerait le problème, c'est Nicolas Sarkozy, justement, précisément. Et Nicolas Sarkozy... Pourquoi il a décliné en popularité Nicolas Sarkozy? C'est en partie parce qu'il n'a pas tenu cette promesse-là auprès d'un grand nombre de gens de droite qui l'attendaient sur ce terrain. Et malheureusement, il n'a pas trouvé les solutions, ou il a été trop occupé par la crise économique. Mais je trouve que c'est un problème majeur. Alors là, quant à la secrétaire d'État, elle est naïve. Je me demande si elle a des convictions, parce qu'elle a dit... Elle dit aujourd'hui tout le contraire de ce qu'elle disait il y a quand même deux ou trois mois dans des blogs et des choses comme ça. Elle ferait mieux de mettre un peu de plomb dans sa tête. Eh ben, merci à tous les quatre. Nous clôturons sur ce conseil amical le débat de ce jour. Merci à tous les quatre. Merci de l'intérêt de ce débat qui existe également à l'intérieur du Figaro, ce qui prouve que dans cette maison, on aime le débat d'idées. Et on se retrouve très vite pour un nouveau débat, législatif 2017, et puis bien sûr après. À bientôt.